A leftist coalition of French political parties has managed to gain enough seats to stop the rise of the right-wing surge in France. The legislative elections left France facing the stunning prospect of a hung parliament and political paralysis for now, a unique position for a pillar of the European Union and Olympic host country. According to the official results released early Monday, all three main blocs fell far short of the 289 seats needed to control the 577-seat National Assembly. The new Popular Front coalition gained just over 180 seats, which placed the far left first ahead of Macron's centrist alliance and Marine Le Pen's right-wing National Rally Party. Je pense que la situation inquiète tout le monde pour le coup. Après, ce qui est plus inquiétant, c'est le fait que l'État ne respecte pas forcément la vie des Français en faisant certaines stratégies pour pouvoir faire des blocs, etc. Finalement, l'Assemblée nationale aujourd'hui ne représente pas forcément le vote des Français, mais représente tout simplement une stratégie de l'État, quoi. Je ne pense pas que Macron a bien fait de dissoudre, sachant que c'est allé un peu contre son camp. Et je ne pense pas que Macron est très crédible aujourd'hui. Ou en tout cas, il a perdu en crédibilité et il a perdu en solidité au sein du gouvernement. Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Au contraire, je trouve ça très bien d'avoir une assemblée comme ça, diverse, avec des blocs à peu près équivalents. Donc il va falloir s'entendre. Mais aux élections présidentielles, c'était la même chose. Ils étaient en tête et après... parce que les extrêmes, la France, elle n'aime pas beaucoup les extrêmes. Alors il faut espérer que Mélenchon ne passe pas Premier ministre, parce que... L'extrême gauche, l'extrême droite, ça fait peur aux gens, quoi. Donc, moi, ça me fait peur. Donc, on verra bien. Hein, déçu un petit peu. Déçu. Ouais. Mais bon, de toute manière, hein, pour nous, ça ne nous changera pas. Hein. C'est tout. On est troisième. Et puis voilà. Ouais. Mais bon, ça va changer quand même. J'espère que ça va changer. Parce que on en a marre. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, c'est le. C'est la baisse sur le pouvoir d'achat, les taxes sur le gasoil, le gaz, ça n'arrête pas d'augmenter, les pensions, les salaires. Les gens, ils gagnent quoi? Le SMIC, 1300 euros, 1400 euros. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. On est en 2024. Moi, je trouve que c'est pas normal.